Jambo sana. Nous avons le programme qui a été tracé de la manière suivante. Après ici, vous et la délégation qui vous accompagne, le bourgmestre de la commune, le chef d'état-major général, le commandant de la troisième zone de défense, le commandant secteur opérateur, le commandant de la 33e région militaire, le commandant secteur opérationnel Sud-Sud-Kivu, le commandant de la 12e brigade de réaction rapide, c'est là même qui a son TG ici à Minembwe. Donc d'ici à l'aéroport, nous allons nous rendre dans la commune. À partir de la commune, il y a un briefing qui va vous être exposé par différentes autorités de la place. Nous allons commencer là-bas avec le bourgmestre de la commune. Après, il y a le commissaire de district qui a un mot à dire. Et après lui, il y a les commandants de brigade. Et peut-être le commandant de brigade, nous allons présenter. Nous allons, après là-bas, nous allons vous amener à KIG, du secteur opérationnel, pour un briefing militaire, donc défense et sécurité. Voilà, je ne veux pas dire à vos ordres, mais je dis à votre temps et nous en. Sogelea hivi haiko njoku. Ipo eh. Ipo.
bébé. Ah là, c'est le premier. Ça va cool. Oui, mon gars, là. Et mon combéré. C'est une bonne journée. Ils ont encore un peu peur, mais ils ont vu quand même que deux membres du gouvernement et un troisième vient, l'humanitaire, et que une dizaine, douzaine de députés nationaux se sont déplacés pour venir à Minembwe. Et je pense qu'ils m'ont fait cette promesse, qu'ils ont pris conscience que finalement ils sont admis. Je leur ai dit aussi, le seul défenseur de la République, c'est notre armée. S'il y a des mauvais, c'est moi qui est le patron de la justice militaire. Nous allons le punir. Le QG avancé, c'est-à-dire un des quartiers du commandant, le chef MG, une de ces parties est ici. Donc, nous allons décoller, nous partons et nous allons régler aussi cette question des millions. Ok, le ministre de la Défense, Razan, Excellence, monsieur le ministre d'État, quelles nouvelles vous apportez à la population du Nord Kivu? Nouvelle d'espoir. Je visite la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu après plusieurs mois de pandémie de COVID-19. Il y a eu beaucoup de dégâts, nous avons des personnes qui nous ont quittés. Et cette pandémie a des impacts, de l'impact socio-économique évident. Alors ma visite c'est pour avoir des réunions avec les officiels, mais également encourager la population et leur dire qu'au niveau du gouvernement de Kinshasa, le travail se fait au jour le jour et qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Mimi nitaambia askari wakuu wa askari wananisikia. Ule askari alikuwa huko anafanya ubaya hapa Minembwe asikie leo kama kuna ishi. Ule polisi, ule mtu wa service alikuwa anafanya ubaya kwa Minembwe ayue kama mambo inamalizika. Ugomvi ilikuwa ya Wafuliru maneno ile ya fujo inamalizika. Wachie askari, wachie serikali kuleta usalama hapa. Hivi vyote hivi tulipeleka katika mkono wa Mungu.